Accueilli à son arrivée par le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi, et par quelques membres du comité de gestion de l'hôpital, le numéro 2 de la province a inspecté les déroulements des travaux étape par étape. De la grande salle d'internement des malades aux installations sanitaires jusqu'au bureau administratif, Jean-Claude Kamfokimimba a fini sa visite sur une note d'espoir. Il retient au moins deux explications lui fournies que ces pavillons sera composé de deux parties, dont l'une médicale et l'autre pour la récupération sociale. Cette étape franchie, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfokimimba sera intercepté par les mamans travailleuses de l'hôpital qui en ont profité pour lui soumettre les difficultés qu'elles rencontrent, notamment celles liées au non-paiement de leur prime. Il y a depuis 2007, naléwe la tupataki. Ça c'est vu moi bakuba monakui, mutuazieko, mutupanguze comme chose. En réaction, les représentants de Jacques Kiaboula leur a promis de faire part à la hiérarchie pour que des suites favorables soient trouvées. Bien avant de quitter les lieux, Jean-Claude Kamfokimimba a payé les frais de soins d'une malade qui a longtemps duré à l'hôpital Sindwe sans secours. La joie est inexprimable pour la bénéficiaire. Baraka ya leo, banduku, le kamfala ya misaidi ya leo, baba mungu mpache kwa mashiku, mina shina kia kama chiri ya mungu, ashupache mtu mwingine ya nikabrani mimi nye kumikono yangu, lakini huyu mungu amoneko. Signalons que la réhabilitation de ces pavillons, sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, est un ouf de soulagement pour les victimes de violences sexuelles qui ont droit à un suivi sanitaire permanent.